Ah, olé, les amis, il y a des traces de vie. Ouh, là, je viens de voir un chevreuil au fond. Et je m'y attendais pas du tout. Et comme vous, je pense que vous attendez pas du tout à voir ce genre de vidéo sur YouTube. Olé, à bientôt, à tout de suite. On continue la visite du village. Mais si, il y a de la vie en fait. Vous voyez, c'est de l'humour. Olé! Bonjour monsieur, est-ce que à Olé on peut boire du café Olé? Bonjour, je vous écoute. Est-ce qu'à Olé on peut boire du café Olé? Après les amis, c'est désert, c'est très mal barré pour boire un café Olé. Vous voyez le jeu de mots? Désert, café Olé. Allez, un petit effort. Hommage à monsieur Roger Alexandre, juin 1940. La commune d'Olé à ses enfants morts pour la patrie. Ouais, les amis, les cadeaux tombent du ciel à Olé. Regardez. Il y a un cadeau dans l'arbre. Est-ce que vous voyez, il est vert. Continue la balade de Olé. Je comprends maintenant pourquoi vous avez appelé ce village Olé. Ou alors, cette activité est apparue après. Pour lancer des pneus, vous avez dit Olé, oui. Ouais, il fallait trouver une nouvelle activité aux Jeux Olympiques. Si un jour ça arrive, ben merci Olé. Et il y a de jolis sapins de Noël toute l'année dans ce village. Regardez. C'est du lierre. Rue du chemin croisé. Ouais. Mais en tout cas, ils sont forts pour inventer des sports ou réadapter les jeux en fonction de ce qu'ils ont dans le village. C'est le volleyball, c'est ça? Nous avons eu lancé de pneus, maintenant le volleyball. Bien évidemment, c'est de l'humour, chers amis. Le but est de mettre en valeur, si je puis dire ainsi, c'est un grand mot, de mettre en valeur les villages de France. Voilà, et donc je viens à votre rencontre. Pourquoi? Parce que donc les grands youtubeurs passent tous sur la même autoroute, je dirais. Et moi, pour arriver à faire en sorte que j'arrive à atteindre tous les cœurs, disons, quelle que soit la façon, et ben, il faut passer par d'autres chemins. Les amis, nous allons visiter le cimetière du village. Si le cimetière est autour de l'église. Curiosité oblige. Il n'y a rien du tout. J'ai failli tomber. Là, c'est marqué en quelle langue? Ceux qui comprennent. Celui qui m'envoie la traduction. Et fort. Quelle est la langue déjà et quelle est la traduction? Ah bah c'est français apparemment. Ils ont remplacé le i par le y. Ici repose les morts de la France, Nicolas. Pardon, je ne comprends pas. Oula, il y a des traces. Ah! C'est un film d'horreur. Oh, une meurtrière. Je sais pas si c'est meurtrière, vous voyez ce que je veux dire, mais le chien veut savoir ce qui se passe. Non, nous ne sommes pas dans un château fort.
les amis. Oh, l'activité. Voilà les amis. Sur ces jolies notes. Dans ce village, olé, vous voyez, il y a la flèche, olé. Chaque lampadaire a un numéro, un chiffre et une lettre. Voilà. Allez savoir pourquoi, c'était peut-être les premiers poteaux électriques implantés. C'est une organisation à l'ancienne, je suppose. Mais les amis, nous quittons les... Non ! À bientôt pour de nouvelles aventures.